Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamdan kathiran kullama yahmaduhu alhamidun. Wa nashkuruhu shukran jamilan kullama yashkuruhu shakirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Chers sœurs, chers frères en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'aimerais aujourd'hui vous parlez d'une action simple, mais ô combien importante, généralement prise en compte que lorsque tous nos efforts mondains ont échoué. De nos jours, elle est même destinée à indiquer le désespoir d'une situation, alors que cette action en réalité est l'origine même de la stabilité et de la tranquillité du croyant face aux circonstances et aux difficultés de la vie. Cette action, c'est ad-du'a, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi disait que ad-du'a huwa talabu ma yanfa'u ad-da'i wa talabu kashfu ma yadurruhu aw daf'uhu, que l'invocation est l'imploration de la réalisation de ce qui peut être utile et la dissipation ou l'éloignement de ce qui est susceptible d'être nuisible. Donc, celui qui invoque, qui implore Allah subhanahu wa ta'ala dans toute situation, en toute circonstance, a su frapper à la bonne porte, car cette porte est source de félicité, de joie et de réussite fid darain. Chères sœurs, chers frères en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous aime tellement, tellement, que sa porte reste ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il attend, et il attend, et continue d'attendre. Et de notre côté, très souvent, silence radio. C'est pour cette raison que Ibn Umar radiallahu anhuma disait, en ce sens, que je ne me soucie pas de savoir si Allah subhanahu wa ta'ala exaucera mes invocations ou non. Mon souci principal est, Allah va-t-il m'inspirer la volonté de l'invoquer? Allah va-t-il m'inspirer la volonté de l'invoquer? Car du moment qu'il m'inspire l'invocation, je sais pertinemment qu'il m'exaucera. Donc, c'est à nous de montrer ce talab, cet enthousiasme, ce désir d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala m'inspire cette volonté de l'invoquer. Regardez l'importance de la du'a, ahmiyatu du'a fi hayatina, dans notre vie, et le niveau qu'a atteint la du'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son bien-aimé Messager sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la raison, l'objectif et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, c'est pour l'adorer. Et c'est cette adoration qui va nous permettre de concrétiser le tawhid. Maintenant, écoutez ce que nous dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit en ce sens que ad-du'a huwa al-ibada, que l'invocation, c'est ça l'adoration. Pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit cela? Car lorsque tu lèves tes mains et tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de prouver à Allah subhanahu wa ta'ala que tu crois en lui, l'unique, Al-Ahad, et tu sais que c'est lui qui donne, que le bien vient de lui et que l'assistance vient de lui. Wa idha sa'alta fas'alillah, lorsque tu demandes, demande à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah, lorsque tu cherches de l'aide, cherche l'aide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a enseigné Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu as placé toute ta confiance en lui, et par cela tu concrétises donc ce pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, at-tawhid, ce lien qui te lie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne brise pas ce lien entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala en négligeant l'invocation. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith d'Ibn Majah, que Mallam yas'alillah yaghdab alayh, que celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab alayh, Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère contre lui. Pour comprendre ce hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, prenez l'exemple d'une personne qui vous aime. Ton papa, ta maman par exemple. Eh bien, lorsque cette personne va voir que tu avais besoin d'aide à un moment donné de ta vie, mais tu ne l'as pas sollicité, et voilà que tu te retrouves dans une situation précaire, périlleuse, délicate, dangereuse même parfois, lorsque la personne qui t'aime va apprendre que tu ne l'as pas demandé de l'aide alors qu'il aurait pu peut-être t'aider, comment va-t-il réagir? Ne va-t-il pas être en colère contre toi? Ne va-t-il pas dire « Pourquoi tu n'es pas venu me voir ?» Cette colère, chère sœur, chère frère en islam, n'est autre qu'une preuve d'amour de cette personne à ton égard. Et c'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala se met en colère. Car Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Allah subhanahu wa ta'ala nous aime plus qu'une maman aime son enfant. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il te veut du bien. Allah veut que tu lui demandes quand tu as des problèmes. Il veut t'aider. Il veut le meilleur pour toi. Même si tu l'as oublié, il ne t'abandonne pas. Il ne t'oublie pas. Car il est karim. Car Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Et même si tu n'es pas un habitué des invocations, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran « Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an » Je réponds à celui qui appelle « Iza da'an » quand il appelle. N'importe quel moment, tu vas appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Même si tu n'avais pas l'habitude de l'appeler, Allah subhanahu wa ta'ala va répondre à ton appel. Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ar-Rahman, est ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Maintenant que nous avons pris conscience de l'importance de la dua fi hayatina dans notre vie, voyons de quelle manière nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que ça soit une véritable invocation, une invocation qui soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les conditions de l'invocation, une des conditions premières et la plus importante même, si on peut dire, c'est ce que nous rappelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith de Tirmizi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce sens que Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah et soyez sûrs et certains, avec yaqin, avec certitude, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous répondre. Le yaqin, la certitude, c'est le pilier même de l'invocation. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Voyez comment cette certitude s'est-elle manifestée dans la vie des nobles compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on surnommait Abu Mi'lak. C'était un commerçant et était connu comme étant un homme pieux et grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, il était parti en voyage pour le commerce et un homme armé lui dit: passe tes affaires ici car je vais te tuer. Il était alors seul. Abu Mi'lak radiallahu anhu lui dit alors: prends tout mon argent, mais ne me tue pas, laisse-moi en vie. Le bandit lui dit: tes biens, ils sont déjà à moi et tu vas mourir. Abu Mi'lak radiallahu anhu lui dit: dans ce cas, laisse-moi faire une dernière prière à mon Seigneur. Alors, c'est ce qui lui a été accordé. Abu Mi'lak radiallahu anhu fit ses ablutions et fit la salat, la prière. Et à la fin de cette prière, il leva ses deux mains vers le ciel en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes que ya wadoud, ô toi qui nous comble d'affection, ô toi qui nous comble d'affection, ya dhal arshil majid, ô toi le maître du trône, le tout glorieux, ya mubdi ou ya mu'id, ô toi qui certes commence la création et la refait. Ya fa'alul lima yurid, ô toi qui réalise parfaitement ce qu'il veut. أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. Je te demande par la lumière de ta face qui emplit les colonnes de ton trône. وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك. Et je te demande par ta puissance à travers laquelle ton pouvoir se manifeste sur toutes tes créatures. وبرحمتك التي وسعت كل شيء. Et je te demande par ta miséricorde qui embrasse toute chose. La ilaha illa anta. Il n'y a point d'autre divinité que toi. Ya Mughith wa arithni. Ya Mughith wa arithni. Ya Mughith wa arithni. Ô toi le secoureur, viens à mon secours. Ô toi le secoureur, viens à mon secours. Ô toi le secoureur, viens à mon secours. À la fin de cette doua, lui et le brigand ont entendu un cheval qui arrivait au galop. Ils tournèrent leur tête et virent un cavalier arriver au loin qui tenait une lance. Le cavalier lança sa lance qui transperça le brigand, qui tomba mort au sol. Abu Mi'laq radiallahu anhu leva la tête et lui dit « Qui es-tu ? Allah m'a sauvé grâce à toi. » Subhanallah. Regardez le niveau de certitude de Abu Mi'laq radiallahu anhu. Il n'a pas remercié le cavalier de l'avoir sauvé, non. Il lui dit que Allah m'a sauvé grâce à toi. Et sa première réaction quand l'homme l'a agressé, le brigand l'avait agressé, c'était aussi de chercher protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On lit même dans chacune de nos prières, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, que oh Allah, c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons l'aide. Donc, Abu Mi'laq radiallahu anhu, il était dans une situation de détresse. Il s'est donc dirigé immédiatement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la situation a été réglée, il a su qu'elle avait été réglée par Allah subhanahu wa ta'ala. On vit tous des heures difficiles actuellement. Et on a peur, on est dans l'angoisse. Et l'ennemi, le virus est invisible. Ne devrions-nous pas à notre tour nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments et implorer son aide? Abu Mi'laq radiallahu anhu, revenant à l'histoire, Abu Mi'laq radiallahu anhu demanda au cavalier « Tu es qui pour qu'Allah t'utilise pour me sauver ?» Le cavalier lui répondit « Je suis un ange parmi les habitants du 4e ciel. Quand tu as fait doua pour la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder. La deuxième fois, j'ai entendu tous les habitants du 2e ciel crier. Et la troisième fois que tu as invoqué l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as crié, on s'est dit que ça c'est le cri d'un désespéré. Alors, j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala la permission de descendre pour t'aider. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis. » Sachez, chers frères, chers sœurs en islam, que ceux qui s'en prennent à nous pensent parfois qu'on est faible, qu'on n'a pas de protecteur, et ne savent pas que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Mais sachez que la plus grande catastrophe sur terre, c'est d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, surtout de l'oublier dans les moments d'aisance et dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve. Et l'ange dans cette histoire rajoute, dans cet incident va rajouter que sache que quiconque fait ses ablutions et prie 4 rak'at comme tu l'as fait, et supplie avec cette invocation, il sera exaucé, qu'il soit désespéré ou non. Ça, c'était l'invocation de Abu Mi'laq radiallahu anhu. Une invocation, une demande à Allah subhanahu wa ta'ala, empreinte de yaqin, empreinte de certitude. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquez Allah subhanahu wa ta'ala et soyez sûrs et certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre favorablement à votre demande, à votre invocation. Deuxième condition pour que l'invocation soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur distrait, min qalbin ghafilin. À l'époque de Moussa alayhi salatu wa salam, une fois Moussa alayhi salatu wa salam marra bi rajulin, était en train de marcher. Il passa près d'une personne, yad'u wa yatadarra'u, qui était en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avec une telle concentration une telle dévotion, une telle humilité, que Moussa alayhi salatu wa salam lui-même il a dit que law kanat hajatuhu biyadi la qadaytuha. C'est-à-dire que si j'avais le pouvoir de combler les besoins de cette personne, alors je l'aurais fait. Si j'avais cette capacité à accepter les do'a, les invocations, à répondre, alors j'aurais répondu favorablement à la demande de cette personne. فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala s'adressa à Moussa alayhi salatu wa salam en ces termes que أَنَا أَرْحَمُ بِهِ مِنْكَ يَا Moussa. Oh Moussa, je suis plus miséricordieux à l'égard de cette personne que toi, ô Moussa. Mais cette personne, il m'a demandé, il m'a imploré, mais en même temps, il a des moutons, un troupeau, mais en même temps qu'il était en train de me demander, son yaqin, sa certitude, était avec le matériel, était avec ses moutons, il était distrait, il n'était pas en connexion avec moi. Sache Moussa que je n'accepte pas l'invocation du serviteur dont le cœur est attaché à un autre que moi. Je n'accepte pas l'invocation du serviteur dont le cœur est attaché à un autre que moi. Combien de gens prétendent demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils ont un problème, mais en réalité, ils l'ont fait avec un cœur qui était distrait. Ensuite, ils disent « Mais j'ai demandé à Allah ». En réalité, tu n'as pas demandé à Allah. Tu as prononcé des paroles de manière mécanique. Tu n'as pas vraiment invoqué Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Lorsque tu demandes à Allah, tu dois être concentré et ton cœur doit être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la deuxième condition. La troisième condition, le hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que la taqulu Allahumma ghfir li in shi'ta, ou kama qala alayhi salatu wa salam, que ne demandez pas à Allah en disant oh Allah, pardonne-moi in shi'ta, si tu veux. Non, ne mets pas cette condition dans la dua, mais on doit être ferme lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Allahumma ghfir li, oh Allah, pardonne-moi. Allah t'a déjà promis qu'il acceptera ce que tu demandes. Allah t'a déjà promis cela. Donc ne mets pas cette condition que oh Allah, pardonne-moi si tu veux, mais aie encore une fois la certitude que lorsque tu vas demander avec sincérité, avec concentration, avec dévotion, alors Allah subhanahu wa ta'ala acceptera ta demande. De même, quatrièmement, la manière d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il est important lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala de commencer son invocation par louer Allah subhanahu wa ta'ala et faire ses éloges. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle qu'à Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux noms. Fad'uhu biha. Invoquez-le par les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, par les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, prier sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans un hadith de Bukhari qu'Allah subhanahu wa ta'ala laisse l'invocation de son serviteur bloquée tant qu'il n'aura pas prié sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu veux que ta dua, ton invocation soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et prie sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que lorsque l'un de vous veut prier, qu'il commence par louer son Seigneur et faire son éloge. Priez ensuite pour le prophète et ensuite qu'il invoque par ce dont il veut. Donc voilà la manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on lève nos deux mains vers le ciel. Une autre condition qu'il est important de respecter, c'est de ne pas se précipiter lorsqu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle Allah accepte l'invocation du demandeur tant qu'il ne se précipite pas. C'est-à-dire, à peine demandé, on veut tout de suite que cela se réalise. Les compagnons radiallahu anhum dirent, comment est-ce qu'il se précipite? Comment la personne se précipite, ya Rasulallah? Alors Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit, j'ai invoqué Allah, j'ai invoqué mon Seigneur, mais il ne m'a pas exaucé. Chers sœurs, chers frères en islam, comprenez bien que l'acceptation et la réalisation des do'a ne dépendent pas de notre calendrier à nous. Do'a, ce n'est pas comme une commande qu'on passe sur Wish, sur Amazon ou sur la Fnac. Et après avoir passé la commande, donc on a le suivi d'expédition. Que voilà, ça sort de l'Angleterre, ça sort de Belgique, c'est arrivé en Île-de-France, c'est à la poste centrale et livraison se fera demain, etc. Non, le doha ne fonctionne pas, ne marche pas comme ça. L'acceptation et la réalisation de l'invocation dépend uniquement du calendrier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'il n'y a aucun musulman qui fait une invocation dans laquelle il n'y a ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui donne une de ces trois choses. Soit il exauce tout de suite son invocation, soit il retarde l'exaucement pour le delà, ou soit il le protège d'un mal qui est équivalent. Voilà pourquoi, dans tous les cas, nous nous devons d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et augmenter les invocations pour nous-mêmes, pour nos parents, pour nos frères et sœurs et pour les croyants. Surtout dans ces moments difficiles que nous vivons, dans ces moments où l'ennemi est invisible, nous sommes en guerre et bien sûr les gestes barrières sont importants. Nous sommes en guerre et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que ad-du'a silahul mu'min, que le du'a c'est l'arme du croyant. Avec les gestes barrières, n'oublions pas d'implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je terminerai mon intervention en disant que, chers frères, chères sœurs en islam, si tu ne peux pas regarder vers l'avant parce que ton avenir te semble si obscur, si tu ne peux pas regarder en arrière parce que ton passé te paraît très dur, tu n'as qu'à lever ton regard vers le haut, vers le ciel. Il y a celui qui t'aime, te garde, te préserve, t'assiste, t'entend, te voit, qu'il n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne t'a jamais pris une chose que pour t'en donner d'autres plus chères à ton cœur. Il ne t'a jamais fait pleurer que pour que tu ris pleinement et de vive joie. Il ne t'a jamais privé que pour que tu savoures à ces dons et bienfaits qui ne viennent qu'après la privation. Il ne cesse de t'éprouver que parce que tu fais partie de ses bien-aimés. Ton Seigneur, qui est au-dessus des cieux, t'aime. Et quel bonheur pour toi, ô serviteur d'Allah. À toi maintenant de lui montrer et de lui prouver combien tu l'aimes en levant tes mains au ciel. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.